bonjour, bienvenue à la Camarade des Moirousses en Hollande. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le site Syngenta. Il sert bien sûr la production de tomates. Des tomates agrofruits avec des références comme Altadena, Uvena, Grodena, voilà, qui sont des tomates, on appelle les tomates charnues, donc des tomates rouges à farcir. Les tomates braves qui sont réalisées comme Epondo, qui est en train de s'installer en France, mais aussi en Belgique. Et un nouveau numéro, la 526, qui est une tomate, on va dire, pour le filet. C'est intéressant pour le calibre 7 mm ou un sachet de kilo. Vous avez ensuite la gamme des tomates grappes. Deux références au marché français, la tomate Kimberley, la tomate Colano. Une dernière en production cette année, la variété Clag, à gros prix. Suivi après de nouveaux numéros qui sont donc à laisser sur le territoire français. Voilà. Nous avons également, depuis quelques années, une gamme de tomates allongées avec Romanella, très chic par sa forme, très allongée. Voilà. Robindo qui vient renforcer la gamme sur destination du marché pour les 6 kilos. Voilà, très productive. Et dans l'innovation et la diversification, des allongées de couleur orange. Voilà. La gamme petits fruits avec des références comme Angèle, voilà, comme Fentel, qui sont des variétés qui ont pu s'installer sur le territoire européen, mais également Seychelles, qui est une variété qui est la version en fait Angèle de la résistance type, qui a pris donc sa place sur des régions comme les Dom-Tom à La Réunion ou à la Guadeloupe ou à la Martinique. Nous avons aussi également des choses allongées de couleur orange. La référence du marché français, vous l'avez ici, donc c'est Bamano, il y a aussi Bambello, et nous avons des nouveaux numéros à laisser, voilà. L'innovation continue bien sûr de la surallonger avec un produit très original, donc de couleur jaune, jaune clair, jaune ivoire. Donc je vous présente la variété Iborillo, qui est une variété extrêmement gustative, voilà. Pour continuer la gamme, nous avons aussi des petites cerises allongées en grappe de couleur rose, donc produit très innovant, très nouveau, que nous voulons installer sur le marché français. Nous avons aussi des cerises allongées de couleur jaune, jaune-orangé, qui sont aussi très innovantes par leur forme, par leur couleur et pour destination soit en grappe, soit en braque. Voilà. Nous avons aussi des variétés de type mini-sarrasino comme Doulet ou comme Dubo. Voilà. Et puis, sans bien sûr oublier la gamme Pumato avec la référence Olmeca, qui est une tomate de couleur marron, très gustative et qui est vendue sur la marque Pumato pour le territoire européen, y compris en France. Voilà. Une micro-cerise grappe, donc Lula Abi, qui est une innovation en termes de homogénéité de produits et puis de petits calibres. Voilà. Nous avons aussi une nouvelle cerise grappe 315003 qui est à laisser cette année sur le territoire français, qui amène de la couleur, de l'homogénéité, mais aussi du goût. Et ensuite, une cocktail pour le marché français. Voilà, taillée à 7-8 fruits, très intéressant par son calibre, son homogénéité et sa productivité. Et bien sûr, l'innovation passe par de nouveaux produits, une cocktail noire et une cocktail rose.